Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Maël Loisir pour vous présenter la décoration de la carte album Zigzag dont je vous ai fait une première vidéo pour la base avec la structure et la base de la décoration, c'est-à-dire la base du papier de couleur en fait. Voilà, donc en fait, j'ai choisi de vous présenter parce que sinon je suis très très longue en déco. Je fais que placer, replacer, enlever, remettre. Donc voilà. Alors, première page. La page de devant, celle qui va accueillir la carte d'anniversaire dans la pochette ici. Donc j'ai décoré avec différentes fleurs de chez Action, des fleurs que j'avais eues dans des échanges, des plumes. Ici, une rosace blanche. Avec un brad, puisque c'est pour une carte anniversaire, avec un gâteau d'anniversaire, un paquet cadeau. Et ici, une capsule altérée que j'avais fait auparavant. Voilà. Page suivante. Donc, en haut, j'ai mis de la dentelle. Ici, j'ai également doublé avec de la dentelle. Collé un bouton fleuri et cette guirlande de fleurs argentées. Voilà, à chaque fois je me trompe. Ensuite, et puis là j'ai glissé donc les photos des les petites cartes que j'avais faites parce que la personne concernée aime beaucoup les fleurs. Voilà, ensuite pour cette page suivante, donc j'ai collé à l'aide de la colle chaude la dentelle marron. Ici, alors, j'ai mis une bordure de pompons blancs, j'ai collé des fleurs avec effet miroir verte. Ici, j'ai collé une bordure tout en dentelle, en pli orange. Et j'ai inséré deux cartes, toujours des roses, ici des roses rouges. La page arrière, donc voilà, en général je mets du papier assez coloré qui suffit à lui-même. Donc c'est pour ça que j'ai juste mis ce petit déco made just for you. Voilà, donc en revenant devant, cette page-ci, donc j'ai collé une dentelle en bas avec une capsule altérée. Ici, j'ai inséré deux images, donc toujours sur le thème des gourmandises. Ensuite, page suivante, j'ai collé toujours à l'aide de la colle chaude une autre dentelle marron. Et ici, une dentelle qui vient de chez Action. Et j'ai inséré deux petites cartes avec des photos. Et pour les deux dernières pages, j'ai tout simplement collé une guirlande avec des perles qui vient de chez Ziman. Et en bas, c'est une dentelle en forme de cœur que j'avais eu lors d'un vide-grenier. Et dernière page. Donc là où j'ai créé deux petites pochettes. Ici, j'ai collé une capsule altérée, un petit papillon en dentelle que j'ai recouvert d'une petite dentelle blanche. Et en bas, pour finir, donc ici bien caché, on voit la capsule altérée, une fleur en dentelle, une bordure tout en dentelle arrondie avec deux petits cœurs. Et pour finir, alors si vous, que j'arrive à cadrer, une fleur en dentelle, là, avec une décoration pailletée de chez Action et un bouton. Voilà. Et on arrive derrière. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour adapter ce tuto également à votre façon. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt sur ma chaîne.